Bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème spécialement pour l'enseignement en milieu scolaire. Aujourd'hui, le thème, c'est l'auto-formation et l'habillement. Donc, pour ce qui est de l'auto-formation, il faut dire que tout enseignant doit d'abord chercher à maîtriser son cours avant d'être en classe et doit toujours aller à la recherche de nouvelles connaissances. On a fait un constat que vraiment, dans le milieu scolaire, on a des collègues qu'on croise. Mais quand tu vas nous demander quelque chose, quand on va te présenter, c'est seulement les fiches, les documents qu'on vous donne à l'école de formation. Non. On ne doit plus se limiter à ça. La formation qu'on gagne à l'école de formation, là, ça ne nous permet pas de conserver seulement ces documents et croire qu'on peut faire de bonnes choses. Non. Nous devons aller à l'auto-formation. Nous allons toujours continuer avec la formation continue en s'auto-formant. Parce que si on n'a pas de connaissances nécessaires devant les élèves, on se demande même qu'est-ce qu'on va faire. Puisque ce qu'on gagne en 2 jours de cours, 3 jours de cours, là, qu'est-ce que tu vas utiliser pour toute ta carrière avec les élèves, c'est vraiment insuffisant. Donc, allons toujours à la formation continue en s'auto-formant. Je dirais même que le meilleur élève et le tout premier élève de l'enseignant, c'est l'enseignant lui-même. C'est pour dire que nous devons tous être permanemment à la quête de nouvelles connaissances dans notre domaine afin de mieux atteindre notre objectif. Concernant la pédagogie, il faut dire que nous sommes dans un monde en perpétuelle évolution. Nous sommes dans un monde où l'école traditionnelle n'a plus sa place. Nous sommes dans un monde où on doit éviter l'éducation pyramidale, où le maître est au-dessus. Et les élèves ne font qu'observer. Non. Nous devons favoriser la communication. Favoriser le dialogue entre les élèves et les enseignants. Nous devons réadapter nos exigences à notre situation actuelle afin que nous puissions ensemble atteindre notre objectif. Donc, pour ce qui concerne l'habillement, il faut dire qu'il est vraiment capital pour un enseignant qui veut transmettre des connaissances et des valeurs à son élève. On a remarqué dans des établissements des collègues qui viennent avec des tenues qui n'honorent même pas le statut d'un enseignant. On ne vient pas dans un lycée, on ne vient pas dans un chez-eux, ou du moins dans une classe pour exposer sa misère. On doit venir à l'école avec l'enthousiasme, avec l'envie de venir donner un cours. Ne laissez pas les élèves lire votre misère à travers votre habillement. Pensez-vous que les élèves peuvent retenir quelque chose qui vient d'un enseignant qui se présente de façon misérable en classe? Non, il ne peut pas. L'habillement, c'est le secret de l'enseignant. C'est le premier élément pédagogique de l'enseignant. Vous savez pourquoi? Une fois que vous arrivez en classe, avant même d'arriver au niveau de votre chaise, avant de déposer votre sac, avant de dire bonjour à vos élèves, avant de prendre la craie pour écrire au tableau, c'est votre habillement d'abord qui communique avec les élèves. Les élèves vous regardent de la tête jusqu'aux oreilles et analysent votre habillement. Et c'est ce qui peut donner l'envie aux élèves même de vous suivre. Si vous prétendez être un bon didacticien ou un bon pédagogue, et déjà vous rentrez avec un dégoût. Vous rentrez où les élèves même savent déjà que ce monsieur-là, c'est quelqu'un même qui déjà même ça ne va pas. Non, il ne va pas vous prendre au sérieux. Homme de grâce. Quand vous allez venir au CESE là, ne permettez même pas aux élèves de prédire votre habillement, de savoir c'est quel habit monsieur va mettre demain, c'est quel souci monsieur va porter. Non. Il faut éviter tout ça là. Évitez de porter des tapettes. Depuis quand un enseignant de valeur va porter des tapettes pour venir à l'école? Évitez de porter des chemises non délavées. Hein? Des élèves viennent à l'école avec des chemises froissées, des tapettes, pour dire quoi aux élèves? Des élèves même qui savent que monsieur, même déjà là, ça ne va pas. Donc, évitez tout ça. Il faut donner de l'envie aux élèves de vous suivre votre cours en vous respectant sur les plans didactiques, pédagogiques, et aussi dans l'habillement. Même si vous êtes bon ici, là, si déjà vous transmettez un mauvais message aux enfants à travers votre habillement, vous n'allez jamais atteindre votre objectif. Donc, soignez votre habillement, faites en sorte que votre
habillement puisse donner de la valeur aux élèves, pour que les élèves même puissent avoir envie de vous suivre. Ça, c'est du côté des enseignants. Là, je ne m'arrête pas là, je parle même jusqu'aux encadreurs. Il y a des encadreurs, souvent même, tu te demandes, ils viennent pour faire quoi? Vous êtes dans les écoles de formation, dans les directions. C'est vous, prenez la valeur de l'enseignant, mettez-vous au plan pour que les élèves puissent vous respecter. Mais malheureusement, on se trouve toujours avec des encadreurs qui viennent même au terrain même pour prendre des ans. Et souvent même, on veut même pas qu'ils nous approchent. On ne peut pas comprendre que des élèves peuvent des enseignants peuvent se mettre à l'aise à travers des habillements responsables et des encadreurs se permettent de venir avec des tapettes. En fait, un habillement qui n'a même pas le titre d'un encadreur. Or, pourtant, vous êtes venu. Si vous venez trouver un enseignant bien sapé, propre, qui est bien placé pédagogiquement et didactiquement, les élèves aussi en tenue, mais vous, en tant qu'encadreur qui est venu pour prendre l'élève et ses enseignants, vous n'êtes même pas en tenue respectable. Donc, c'est une chose que vous allez ensemble essayer de voir. Que ce soit sur les enseignants, que ce soit sur les encadreurs, sans une autre manière de faire. Donc, pour les enseignants, soyons pédagogiquement forts et didactiquement forts et soyez aussi votre habillement. Mais ce qui est pour les encadreurs là, des grâces, on ne veut pas vous voir au terrain avec ces gens d'habillement. Sinon, il y a des encadreurs quand ils viennent, toi, tu es fier. Mais à toutes les quand ils viennent là, tu ne veux même pas qu'ils viennent te prendre. Parce que les élèves vont savoir déjà c'est qui vient. Donc, évitez ça. Partagez la vidéo à vos collègues, ils vont le voir. Bonnes vacances à tous. On espère qu'au retour là, chacun va faire de son mieux pour être un enseignant au top. Merci.